commencer, on dit bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Et il faut dire bonjour là-bas, du côté de Nantes. Bonjour. Et on va faire un salut. On se tient bien droit. Prêt à saluer. Debout. Prêt. Très bien. On se met à genoux. Prêt à saluer. On est bien sur les cuisses. On se tient bien droit. Et c'est quoi le mot japonais que je dis pour saluer? Ouais. Et on salue. Très bien. Première chose qu'on va faire, on va apprendre à faire son nœud de ceinture. Alors, on va commencer par Juliette. Tu te mets debout, s'il te plaît. Tu viens ici. On va se tourner un petit peu. Voilà, comme ça. Et on va voir comment on fait le nœud de ceinture. Parce que ça, c'est pas évident. Donc le nœud de ceinture, on attrape la ceinture. On croise bien l'avant-garde du genou. Il y a Pipi qui fait judo. On la laisse. Elle vient regarder ce qui se passe. Le milieu de la ceinture, une fois qu'on a croisé les revers du judogi, c'est l'habit du judoka, on met ça sur le nombril, on fait le tour du ventre, on revient devant, on fait un premier nœud. Elle fait le tour. En passant sous le ventre, ici. On serre une première fois et on serre une deuxième fois en mettant le pouce-sec comme ceci. Et là, la ceinture, est-ce qu'elle tient bien, Juliette? Est-ce qu'elle tient bien? Tire dessus pour voir. Ok, super. Tu peux aller te remettre à genoux. En face de moi. Hop! En face de moi. On ne bouge pas, Clémence. Je ne t'ai pas demandé de bouger. On reste à genoux. Très bien. On a fini notre ceinture. On va pouvoir passer aux techniques du judo qu'on va apprendre. Bien. Donc là, on va faire une première prise qui s'appelle Tate Shiogatame, la prise du cheval. T'es prête? On est à genoux, on se regarde droit dans les yeux, on se salue. Oui, on met les mains devant. Et on va faire comme si on faisait un petit combat. Tu vas essayer de me mettre sur le dos. Ajime! Allez, on s'attrape. Allez, j'essaie de te mettre sur le dos, mets-moi sur le dos. Allez, 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 allez. Allez, pousse, pousse, pousse. Allez, 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 allez. Et hop, tu te mets tout de suite à cheval. À cheval, à cheval, à cheval. Très bien. Hop, on bouge plus. Donc là, dans cette position, Clémence, elle est en train de m'immobiliser en faisant Tate Shiogatame, la prise du cheval. Dès que je vais dire Osei Komi, tu vas commencer à compter et il faudra que tu comptes jusqu'à 10. Si tu arrives à me tenir comme ça, tu marques le hiton. Si j'arrive à m'échapper, eh ben, tu ne marqueras pas le hiton. T'es prête? Osei Komi. Hop, on bouge plus. Qu'est-ce que j'ai réussi à te faire? Tiens-moi fort. Débloquer la jambe. Donc là, est-ce que tu as le droit de compter? Non. Non. Alors libère ta jambe, pousse avec ton autre jambe, pousse, 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 pousse. Et hop, tu continues à compter à zéro. Allez. Allez. 3, 4, 5. Et moi je bouge. 8, 9, 10. Très bien. T'as marqué un hippon. On se remet à genoux face à face. Allez, à genoux. On recule un petit peu pour ne pas se cogner. Et là, Clémence, elle a été très très forte. Elle a réussi à me mettre sur le dos, à me faire la prise du cheval qui s'appelle Tate Shiogatame, à m'immobiliser. Moi, j'ai réussi à attraper la jambe. Et quand j'ai attrapé la jambe, est-ce que tu avais le droit de compter? Mais non, il y avait Toketa. Mais après, tu as réussi à libérer ta jambe et à me réimmobiliser à nouveau pour marquer un hippon. Bien droit, je suis fier de toi. Ouais! Et tu as gagné. Le premier petit combat. Bravo Clémence.